L'attaque. Ah, attaque. Rassemblement national. En parlant de l'attaque, vous vous rappelez où vous étiez? Ah, on était dans la merde. on est toujours dans la merde hein, à chaque fois. Hein. Pas dire, mais bon. Vous étiez plus particulièrement dans le temple dans lequel Dominia, une femme là, faisait ses expériences et créait ses fameux écorchés. Un peu le fond d'écran, quoi. Au nom du fameux dragon Lithochronox, elle a créé ses fameuses armées. Ouais, j'ai failli y passer encore. Hein. Et tu as vu la lumière, effectivement. Le paradis des hobbits n'était pas loin. C'est ça. Mais laissez-moi là-bas, putain. Et 3000 vierges. Il y avait de la bouffe partout, putain. Ouais, c'est plutôt ça. On aurait du frigo de Vincent. mais vous en étiez venu à bout. Et par contre, pour juste remarquer que vous n'avez toujours pas du sang de loup-garou, donc ni le cristal qui contiendrait l'âme de loup de Clovic, ni le sang de loup-garou à proprement parler. Ouais. Et il vous faut l'avoir avant cette nuit. Ben ouais, c'est ce qu'on a compris, mais... Que c'est du sang de loup-garou le prélevé à la pleine lune. Ouais, alors ça va être gênant en fait. Et en plus, vous êtes dans la dernière journée, c'est-à-dire demain, il faut absolument activer les éléments de la chronosphère. C'est ça. C'est ça. Les choses se compliquent, le calendrier se bouscule, on va dire. Il y a Hector qui arrive aussi. Il y a le frère de Clovis qui est arrivé, Hector, de Lycanis, avec toute une troupe. Ils ont... déblayer un peu le terrain pour vous à certains endroits, hein, puisqu'il est venu avec toute une troupe de soldats. Ils ont combattu quelques écorchés, etc. Apparemment, ils cherchaient certainement celle qui dirigeait la région, donc certainement Dominia. On a fait son boulot, quoi. Et par contre, le temps que vous alliez au temple, etc., vous avez vu que il y a maintenant des soldats postés devant la taverne. Je crois qu'on avait dit qu'on devait aller confronter, non? C'est pas ça qu'on avait dit. Ouais, ben sachant que justement devant cette fameuse taverne, entre guillemets, c'était le quartier général de la fameuse Dominia, justement. Oui, voilà, c'est comme on n'a rien trouvé dans le temple, on s'est dit, tiens, on va aller à la... Il n'y a rien dans le temple, il n'y a plus rien dans le cimetière. Sauf que si je me souviens bien, Hector et ses hommes sont sur place là-bas. Oui, c'est ça. C'est ce qu'il vient de dire. Il y a ces hommes devant l'auberge, et Hector, vous ne le voyez pas, mais il est certainement, dans l'auberge. Bonne mémoire quand même, hein. 5 secondes quand même. Ah ouais, comme les poissons rouges. Non, je crois que Hector est devant la taverne, non? Ouais, si je me souviens bien de ce que Franck a dit. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? Parce que. Je sais pas, on tourne en rond depuis tout à l'heure et. On devrait prendre à gauche ou à droite? Pas à gauche. On devrait prendre à gauche ou à droite? Bah à droite. Moi je comprends pas, on tourne. Bah on y va? C'est parti. Allons-y, oui. À gauche. Là, vous avez le plan général. Comme vous pouvez voir, il y a des soldats devant les entrées. Non. On voit pas. De l'auberge. On voit pas. Non, il y a pas d'entrée. Il y a pas de. On voit la carte. On voit personne. Mais on ne voit personne. Bouger nos persos. On voit nos persos. On peut bouger effectivement nos persos. Peut bouger. Ouais. On passe par derrière. Alors, attendez. Qu'est-ce que j'ai foutu? Est-ce que c'est encore... Oui, c'est encore... Attends, on va te déplacer. Ouais. Je reviens. Quelque chose me dit d'attendre. Voilà. Oula, il y a un Dark Vador parmi nous. Dark Vador est en train de se moucher. Bah d'accord, super. Elle est belle la France. Alors j'ai mis l'économie des écrans avec display fusion, mais tous mes écrans sont noirs à chaque fois. Bon. Ouais, faut que je les règle. Oui, t'as un petit paramètre. C'est vrai que ça a 10 secondes, évidemment. Ah non, c'est pas ça, c'est que ça a assombri en fait. T'as assombri trop, toi.
Ouais, ça assombrit un peu trop, mais c'est bien pour mes yeux aussi. Oui, oui, c'est bien. Oui, donc c'était juste une histoire de calque, hein, qu'ils n'étaient pas sur le bon calque. Hein, donc, ah bah voilà, donc je me déplace voilà. pas. Vous voyez mieux les là où il y a des soldats en oui, faction, là, devant l'auberge du Coq Doré. De toute façon, le but du jeu, c'est pas de s'infiltrer. Hein, c'est... Non, c'est d'aller les voir, dire bonjour, comment allez-vous, on combat pour la même cause, tout ça, tout ça. Ah, c'est carrément faire rencontrer les deux frères. Et hein, il est avec nous, je crois. Ouais, il va se faire un monologue. Franck, ça va lui plaire, ça. Du coup, Hector... pas Hector. D'ailleurs, il est pas sur la carte, notre ami. Ouais, Clovic, il est avec nous, je crois. Hein, il était venu. Oui, hein. Il est avec vous. Ouais. Ouais, du coup, les deux frères vont pouvoir se... Ah, t'es là, Clovic. Je t'ai caché. De toute façon, on est tous perdus. Il était pas perdu, chaud. On n'a rien à se reprocher, de toute façon. Bon, on est vivants, nous, donc il n'y a pas de problème. Hein. Personne n'a rien volé à qui que ce soit, tout ça. Personne. Tout le monde est pétrifié, nous, rouge, alors on n'a rien à se reprocher. Hein. Je regarde mon sac, quand même. On est dans le camp des méchants, on bouge, et tout le monde est pétrifié, tous les gentils sont pétrifiés. On n'a rien à se reprocher. Mais ils sont pas pétrifiés non plus, donc ça veut dire qu'ils sont dans le camp des bons ou des gentils. Ah oui, on est comme... Ah, des méchants, on sait pas. Alors, posez la question, vous êtes gentil ou vous êtes méchant? Ouais. Ça se trouve, ils combattent. C'est des méchants qui combattent d'autres méchants. Pour le coup, qu'est-ce que vous faites? Alors, vous approchez de quel endroit? Eh ben, on va aller voir. L'arrière, l'auberge, ou passer devant C'est quoi l'arrière, c'est quoi l'avant? Bah, le devant, c'est. Voilà, c'est devant. C'est là où il y a la route. Devant, c'est là où il y a les deux soldats. Ouais, mais pas là où il y a l'escalier. C'est là où il y a une route. Voilà, c'est un trait principal. Par l'arrière, c'est plus court. De toute façon, ils vont nous voir hein, quand on va passer. Non, si on fait le tour du bâtiment du temple et qu'on passe par la route devant. Moi je suis d'accord, je suis Altiris. Enfin, je suis Max, mais je suis Altiris quand même. Parfait, bah moi je passe par derrière. C'est nickel. Hey, Max, j'avais un petit besoin de pression à faire et tu me suis là. On les prend ton dingue. Je vérifiais si tu ne fuyais pas. J'ai fait que j'étais bien garçon, hein, à vous. Bah ça peut s'arranger. C'est la petite fuite. Bon. Moi je suis ouvert à tout, hein, tu sais, Thierry. Je sors ma X-card, hein, parce que là, moi... Oh, je suis choqué. On va pas plus loin. Hein. Et si on retournait décapiter la méchante, là, pour montrer... Tu veux prendre sa tête? Pâte blanche, on lui montrait sa tête. Regardez, on est gentil, on l'a dégueulé. C'est pas une bonne idée, ça. Non, c'est pas une bonne idée. Brillant. Si vous voulez, je présente la chose avec mon charisme moisin et mon malus. Ouais, parce que c'est ça. C'est bon, laissez-moi faire, je passe devant. Et mets la tête sur une pique, comme ça, hein. Ouais, ça sera j'avance, moi. Pour présenter. Allez. J'avance avec, avec Bénédicte. Ouais, à ce moment-là, immédiatement, les deux gardes se mettent de face. Halt! Enfin, voilà. Ça va, vu la musique, c'est bon. Il n'y aura pas de garde de combat. Ça sent le roleplay, là. C'est la musique du roleplay, les gars. Oh, mais c'est encore plus cool. Louis va s'endormir, attention. C'est vraiment dommage qu'on mette pas les caméras quand même. Hein. C'est pour mon Audimat. Ah pardon. Audimat. Ah bah un peu quand même, un peu. J'ai 771 abonnés, donc j'ai quand même un peu de personnes qui regardent. D'accord. Un peu. Bien, bien. Il y a des bazos sur Terre quand même. C'est vrai. Pour regarder les aventures. Mais ils ont pas les cams comme nous, hein. Hola, soldat. Oui, qu'au bon début, ils ont des lances. Hein, ils les abaissent immédiatement. Et puis, voyant que vous n'êtes pas des morts vivants, je fais une blague. Ils vous laissent approcher. Une lance. Ils vous laissent approcher. Hein. Voilà. Je crois que c'est moi qui ai quand même le plus de. Il y a un d'entre nous qui est un très bon vivant, donc je pense qu'effectivement. Non, mais c'est pas moi en fait. Non, mais à chaque fois que j'ai voulu parler, je crois que en fait ça s'est très très mal passé à chaque fois.
Je suis pas très très charismatique comme Hobbit. Hein. Je crains rien, comme petit Jean. Non, pas vraiment. Pas plus ou moins. Ah, nous sommes vivants. Bonjour, je suis Max. Moi, je suis soldat. Soldat numéro 3. Soldat 1. Je suis matricule. Et bah, il vous dit, halte, qui êtes-vous donc? Bah, je suis Max. Enchanté de vous connaître. Et encore. Sergent! Et du monde! Nous sommes avec le frère de sûrement votre capitaine ou de votre sergent. Il se nomme Hector, c'est ça, non, je crois? Ah, effectivement, il y a un sergent qui ressemble d'ailleurs aux autres. Hein. Vous pouvez voir le token qui sort du bâtiment. Oui, qu'est-ce qui se passe? Ouais, qu'est-ce que... Je suis sûr, ça sent les images. Il y a des survivants, sergent, regardez. Ah, oula. Étonnant. Ouais, il vient vers vous. Ah, moi, j'ai pas mes armes... Enfin, j'ai mes armes rengainées, hein. J'ai pas d'armes dégainées, quoi que ce soit. J'ai rentré mes griffes. Je cling. J'ai rentré les habitants de Palaiso. Alors, c'est un peu compliqué, mais... Non. Mais... Oui. Mais la personne qui nous accompagne, ce cher Clovic, oui. Vous êtes envoyé de quelle ville? Oh là. Clovic, explique clair là. Parce vous venons de très loin. On vient d'une ville qui s'appelle Fondalin, mais je ne sais pas si vous connaissez en fait. J'ai jamais entendu parler. Oh bah c'est très très loin d'ici en fait. On s'est retrouvé ici par hasard. Hein. Enfin, j'ai fait 3000 bornes par hasard. C'est un peu compliqué à vous expliquer, mais comme on n'a pas trop le temps, ce serait bien qu'on puisse voir Hector, votre chef, parce que son frère est avec nous. Il s'appelle Clovic, il est là. Et on a besoin de lui parler si c'est possible, évidemment. Le frère d'Hector? Oui. C'est le petit roux qui est derrière nous qui se cache là. Le frère Hector? Bah. Ah. Ça se trouve si rogné. Oui, je vous rappelle qu'il a été rogné par la famille. Ouais. Oui, mais bon, de toute façon, il va le voir. Hein. Oh là là, on est tous foutus. Il y avait pas un truc à pas dire. C'était ça. Oh merde. Le petit Jean parle trop, hein. Franchement, faut lui couper la langue. Et bien. On peut le voir peut-être. On a peut-être des informations au sujet de ce qui se passe ici en fait. Bon, mais très bien, entrez. Il vous demande d'entrer dans la... Ah, rentrons. Rentrons. On rentre dans l'auberge. Et effectivement... Et rassure-moi, la bière a pas... C'est pas pétrifié. La bière n'est pas pétrifiée. Ah, ok. Donc les liquides ne sont pas pétrifiés. Non. Voilà, bah, sinon, on pourrait marcher sur l'eau. Ah non, mais ça... je vous parle d'un mais, truc... Mais lui, il peut marcher sur l'eau. Oui, je peux marcher sur l'eau. Pour moi, l'eau est pétrifiée, hein. Versez-lui de la bière dans une bassine, on va vérifier s'il marche dessus ou pas. Est-ce que ça peut marcher? Je vais pas essayer, je devrais, tiens. Je l'ouvre. Ah non, il faut l'anneau marcher sur la bière. Pas de bol. Là, on rentre. Et vous rentrez donc dans l'auberge. Hop. Ah. Coque doré. Alors vous arrivez par le... Par la porte de devant. Et par la porte de devant. Donc vous arrivez dans l'autre sens, par là. Alors j'ai mis mon token, mais c'est une erreur. Parce que je peux plus... C'est bon. T'as peut-être un calque, là. Ouais. Ah voilà, c'est bon. Donc on arrive par là, en fait. Je cherche un Bénédicte. Je suis là. T'es là, ouais. Iris. Et Clovic, où qu'il est. J'en profite pour dire bonsoir à la marmotte insomniaque sur Twitch qui est avec nous ce soir. C'est une table japonaise ou un bain? Bonsoir la marmotte. À gauche. À gauche.
Ouais. Aucun des deux. C'est des bancs, un trou, et apparemment en bas dans la cave, c'est un endroit où il devait y avoir des combats de chiens, un truc comme ça. Ah, une arène. Voilà. J'aurais bien eu une table japonaise. Table japonaise pour manger des chiens. Pour manger tout autour. Ouais. Et table japonaise, mais c'est plus pour les combats de clébard. Ouais, clébard, il est pas mort. Ou peut-être de coq, hein. Dans une auberge, ça s'appelle le coq doré. Le coq doré, ouais, c'est peut-être plutôt des combats de coq. Des cocatrices peut-être. Des combats de cocatrices. Ah, FK. J'essaie de gérer moi voilà un peu. Hop. Ah, lui par contre il faut être visible. Hop. Voilà. Voilà, il va dans l'arène. Il a reconnu. J'ai oublié personne. Je sais qu'il y avait des coqs. Il y en avait deux dehors. C'est ça. Putain. Au nord. Si elle a moins de plumes, c'est bon. Je suis parti. Je dis ça, on les voit pas, mais. Les chiens? Non, rien. Rien. Voilà, ils sont. Les soldats de. Oui, de dehors, c'est que j'essaie de les retrouver. Comme c'est basculé d'une map à l'autre et que c'est les mêmes noms. C'était un peu merdique. Là, cette fois-ci, le compte est bon. Je vais démarquer. Toi là, va me chercher Hector. Il est avec l'espèce de bestiole là-haut. Une espèce de bestiole. Et au bout d'un moment, vous entendez des pas lourds d'hommes en armure qui descendent l'escalier. Et effectivement, Hector descend. Ok. Comme vous pouvez voir, je vous l'avais déjà montré, Hector de Lycanis et voilà. À quoi il ressemblait. Oui, il n'était pas commode. Ah oui, ouais, c'est vrai. Il n'est effectivement pas une tête commode. J'espère qu'il va pas trancher c'est la tête de son frère. Bonjour. Mais Hector, ces gars-là disent qu'ils sont avec ton frère. Mon frère ? Le plâtre. Ah, ça commence bien. Bien, il le reconnaît. Et toi, Clovic ? Alors, monologue. Ah oui, c'est moi. On est foutu. Vous êtes venu pour délivrer la ville. Alors. Et là, à ce moment-là, il y a tous les gardes qui rigolent. Tu vois que tous les gardes sont morts de rire. Alors, il y a la plupart. Ceux qui sont d'ailleurs, tiens, ces deux-là, ça c'est le sergent. La plupart sont attablés, ils boivent, ils sont pas avinés, hein, mais il y en a un qui est derrière le comptoir. Voilà, les autres qui sont en train de boire. Hein, voilà. Hector, vous croyez qu'on pourrait s'attabler et boire une petite bière en discutant ? C'est pas un micro, Gaël. Non, il écoute ça, ouais, aussi, ouais, ça pleure pas. Moi, je m'avance, je prends un siège, je tire la chaise et puis je m'assois. Je regarde le soldat et toi là-bas, tu peux nous en ramener des biens, s'il te plaît. Effectivement, bon. Je suis pas du tout effrayé, hein. Enfin voilà. Bon, vous essayez, il y a un soldat effectivement qui vient amener des boissons. Et Louis, il s'en va de l'autre côté. Il va dans l'arène. Ouais, non, c'est comme si j'étais pas très social quand même. Il a envie de bouffer quelques coques. Ah, tu vois que c'est du sang séché, en tout cas il n'y a pas eu de combat récemment quoi. Hector, joyeux-nous. Okay. Ah oui, qui s'approche. Ça, hein, t'es déjà bourré, sur le banc, sur la table d'à côté, là. Sur la chaise d'à côté. Ceci n'est pas une mission de secours, Clovic. Ah bon, c'est une mission de quoi que vous faites ? Une mission de récupération, disons. Voir ce qu'on peut récupérer. Comment et comment nous entendre avec le dragon. Vois-tu, mon cher frère, depuis que tu es parti, les choses ont changé. Nous avons révélé notre vraie nature au peuple. Alors ça tombe bien,
Nous avons vérifié qu'effectivement la ville est aux mains de Hito Chronox. Nous allons rapporter ce que nous pouvons. Et nous allons pouvoir négocier avec les forces du dragon. Alors, vous voulez négocier avec un dragon qui a décidé de pétrifier toute la ville. C'est pas la nôtre de ville. Qui risque de pétrifier la vôtre. Je vois que tu es toujours un mouton. Loïc, tu as décidé ta place dans ce monde. Mais... Qui n'est décidément donc pas digne de faire partie de la famille. Tu es très loin d'être un loup. Excusez-nous, mais nous, nous sommes, oui, nous sommes ici pour sauver cette ville, pas, ouais. Et pas pour qu'elle se fasse piller. Sauver ? Qu'est-ce que vous voulez sauver ? Le dragon les a tous pétrifiés. Et nous avons une solution pour les dépétrifier. Votre Clovic s'est montré beaucoup plus courageux que vous ne l'avez montré jusqu'à présent avec vos armées. On t'entend pas, j'ai sorti à l'autre côté de la pièce. Ouais, je le gueule. De toute façon, on m'écoute jamais, ouais. C'est Calimero. C'est Chalimero. Oui, il réagit quand on lui dit... putain. Vous êtes là pour sauver et tout. Eh ben, disons. Parce que vous avez à sauver ici. Ben, les gens. Les gens, peut-être. Les gens, puis pour éviter aussi que Hito Chronox s'en prenne à d'autres villes, qu'il les pétrifie. Vous avez peut-être choisi la solution de la négociation avec le dragon. Je ne crains fortement que le dragon, comment dire, n'ait pas vraiment cette solution. Voilà. J'appellerais ça même la solution de la lâcheté. Waouh, wow, je suis d'accord avec toi, Bénédicte, pour une fois. Très bien. C'est que j'ai mis ma baguette. Où est mon sort d'invisibilité? Garde, foutez-moi tout ça au trou. Oh, okay. C'est parti. Okay, boule de feu. Ah bah non, je me laisse pas faire, je me laisse pas faire. Oh non, tu rigoles. Ça tombe bien. On a autre chose à faire. Là. On avait besoin de sang. Ouais. Il a bien qui. Oui, alors faut prélever seulement ce soir le sang. Oui, oui, il faut en garder des vivants. Ah, tu veux dire qu'il faut le garder. On va dire qu'on est le soir, non? On va dire qu'on est le soir. Ah, j'ai pas tiré l'iniste. Alors attention, c'est parti, mon kiki. Voilà, super. Moi, je passe bon tour. Ouais, tiré l'initiative. Ah, c'est. Mais tu t'es déchiré le tiré, quoi. Ouais. Ouais, c'est pour se flanquer rapidement. Ouais, mais bro, là, je vais décaler. Là, parce que. Faut. Tes baguettes. tes balayettes. Tu les alignes comme ça sur la table. Alors, je vais prendre. J'aurais dû me méfier quand j'ai vu le combat Tracker où ils étaient en rouge. J'avais pas changé la tête, tu sais, de couleur. Ouais. Effectivement. Ils auraient dû être en jaune, effectivement. C'est ça. J'avoue que j'ai pas fait attention. Moi non plus. Bon, ben. Vu qu'ils pouvaient être à 30 endroits différents, vous aurez pu les combattre sur leur bateau, en ville, sur la place de machin, sur... Je pouvais pas prévoir chaque combat. Et du coup, tout le monde a lancé les init, là ? A priori, oui, c'est chez Tarn le plus rapide. Ouais. Ouais. Moi, je fous... Clovic, il a pas lancé. Ouais, Clovic n'a pas lancé. Est-ce qu'il va se battre contre ça ? Exact. Si, Clovic, il a lancé, il a 9 en initiative. Ah bon, pardon. Pas grand-chose. Je propose une stratégie. Oui. Bah buter le chef. Ça fait extrême. Hein. Bah pas le buter, mais disons. Surtout qu'il faut pas trop le buter quoi. Le. Juste le mettre hors d'état de nuire. Voilà, hors d'état de nuire. Les autres vont baisser leurs armes. Ça évitera qu'on combatte. Tu lui tranches la tête. La boule de feu, c'est hors d'état de nuire ça ou c'est. Bon, en tout cas, moi je fonce sur celui-là et puis je l'attaque direct. Si. Ah oh, tiens. Je vais le cibler, je sais pas quel numéro c'est, il faut que je grossisse énormément. On peut cibler quelques. Le 1 quelques soldats, mais pas tous. Et le 1 Ah. Ouais. Le
Ouais, ça, lui, je peux... Tiens, c'est bizarre, ça. Le je peux même pas le cibler. Je peux même pas le cibler dans le combat track, hein. Le 11... Oui, c'est bon. En loin, ça doit être bon, le 11. Lui, c'est bon. Lui, c'est bon, lui, c'est bon. Ah, il y en a un autre qui est pas bon. Bon, je m'attaque le 11 en sol, là. Enfin, le 1, je veux dire. Normalement ça doit être bon, ouf. Si tout va bien.